Avant la remise des médailles, je voudrais demander à M. Darmanin de rejoindre. Donc, je voudrais remercier la municipalité pour leur aide constante. L'orchestre du canton qui regroupe les harmonies de Le Forêt, Courcelles, d'Orange et la Malmaison pour le prix du tubulin que vous avez entendu dans Pagraille. Donc, le tubulin, c'est là. Le président de l'harmonie royale communale d'Étain-Puy, en Belgique, pour sa présence. Les élèves de l'école municipale de musique qui se sont investis pour animer notre concert, et surtout Corinne, qui a emprunté les prêts de ses six enfants. Monsieur Jean-Marie Rochin pour le prêt des tenues de pompiers, les membres du bureau, les bénévoles et les musiciens. Ainsi que Monsieur Jean-Paul Schepers, président de la délégation Hénin-Carmin, que j'appelle à me rejoindre pour la remise des médailles. Accompagné de M. Gervais Malin, président de l'harmonie de Le Forêt et membre de la délégation. Donc on va procéder à la remise des diplômes, ou des diplômes, des médailles, pardon, excusez-moi. Alors, issus donc tous les quatre, les quatre premiers qui viendront nous rejoindre sont tous les quatre issus de l'école de musique dont j'ai la responsabilité depuis 2011, donc je vais l'appeler. Donc, Paul Chansac, qui va recevoir la breloque argentée pour 5 ans de présence au public des clarinettes. Deuxième, donc au pupitre des flûtes, on va appeler Pauline Zenati pour 5 ans également. Et tout de suite après, on va demander à son chiffre, on va revenir pour Rémi. Donc, au salé. Et on va appeler maintenant Élise. Élise qui est... Alors, il nous a rejoint dans, au pupitre donc, des percussions. Donc, je vais demander à Rénald de descendre tout le haut. Rénald de Dubar, 5 ans de présence donc, au pupitre des percussions.
Maintenant, on va passer un petit peu aux plus anciens. Donc, j'espère aux 6 qui sont là, qui ont eu la médaille des 5 ans, de rester encore pas mal de temps pour avoir la médaille que nos deux plus anciens camarades vont recevoir. Donc, je vais appeler Jérémy Boucher, qui de temps en temps vient le revoir ici, il est là. Et il va recevoir, ce jeune homme, la médaille des 15 ans de présence. Donc la dernière médaille, c'est pour Justine, donc Justine pareil, qui a 15 ans, donc qui est de la même génération que Jérémy, se sont connus à l'école, au collège, voilà, et donc Justine au pupitre de Houvre, ex-professeur, sous-directrice, vous la verrez en deuxième partie, et qui reçoit aussi la médaille des 15 ans, médaille octobre. Alors, on a voulu remettre ces ménages juste avant la pause, nous sommes après le bar est ouvert, et qu'il n'y ait pas pour payer un pot. Donc, un petit tantôt, ensuite c'est la pause, 10-15 minutes.